16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Clémentine Portier-Kaltenbach est une femme solide psychologiquement qui a vu beaucoup de choses dans sa carrière, même, disons-le, l'insoutenable. Une tumeur de 16 kilos sur un testicule. Elle pensait avoir tout vu. Elle se trompait. Il lui restait à découvrir le quiz. Jouons à Burn to be Alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. On se souvient qu'ici même, nous avions évoqué déjà la légende du cinéma américain James Dean. Il avait enregistré un spot de pub pour la prévention routière avant de mourir bêtement d'un accident de voiture. Voici ma question du jour. À sa mort, est-ce que le airbag avait déjà été inventé ? Oh là là. Je pense que l'airbag était inventé, mais n'était pas installé sur les voitures. Donc là, il y a un piège. C'est pas un piège, vous formulez les choses comme ça vous arrange, mais vous me dites oui ou non ? Non. Vous avez perdu. On ne sait pas d'où est sorti ce nom, sachant que vous avez donné les bonnes réponses d'abord. Vous avez dit que ça a été inventé, mais ce n'était pas encore en production. Ah oui, oui. C'était le bon résultat. Mais non, mais vous m'avez dit non, ça n'existait pas. Oui. Sur la voiture. Ah non, la question oh était... Oh non, là là, oh là là là. Non, non, attention, attention, il a la bonne réponse, oui. Ah, vous dites qu'il a la bonne réponse. Bah oui, il a dit ça devait probablement exister, mais les voitures n'en c'est étaient pas encore équipées. C'est moi qui serais vicieux, ouais. En régie, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Stéphane a donné la bonne réponse? En même temps, c'est lui qui décide si vous êtes viré ou pas. Donc vous allez dire... Il a donné la bonne réponse, ouais. Stéphane. Bien sûr, Stéphane ne se trompe jamais, me dit-on. Oh, voilà. Bonne réponse, bravo Stéphane. Oui, James Dean est mort en 55. Un Américain a déposé le brevet de l'airbag en 53, mais ce n'est qu'en 1973 que pour la première fois, on l'installe dans les voitures, pas n'importe quelle marque, dans les Chevrolet. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Palinas était un monstre de la Grèce antique, mi-homme, mi-ours. Il avait la particularité de faire disparaître toutes les traces des victimes qu'il avait tuées. C'est en hommage à Palinas qu'on a trouvé le mot sopalin. Vrai ou faux ? Alors là, Palinas aurait donné sopalin. Non, écoutez, là, vraiment, ça va trop loin. Ou alors, le gars qui a fait ça était quand même un petit peu prétentieux, non ? Donner un nom de créature de la mythologie, un essuie-tout, non ? Ça vous paraît écoutez, un peu gros. Ça me paraît un c'est peu presque gros. Un sacrilège. Non, sacrilège, je dis pas. Un petit peu disproportionné, et en même temps, c'est très poétique. Mais je me fie à mon intuition, je dis non. Je crois que sopalin, c'est so, yes, venin... Sopalin. Effectivement, je vous confirme, non, Stéphane, que sopalin, c'est sopa et lin. C'est trois syllabes. On avance là, oui. Les diphtongues qui annoncent, vous voyez, des mots plus longs. Voilà. Bon, alors je vous suis et je réponds non. C'est non. C'est vrai que votre intervention, Stéphane, peut vous coûter un point négatif dans le quiz, si jamais vous avez dit n'importe quoi. Découvrons la réponse. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Effectivement, ça ne vient pas de Palinas, le monstre de la Grèce antique. Le mot sopalin est constitué des premières syllabes de la société du papier-linge qui a créé le sopalin en 1948. C'est une bonne réponse de Stéphane Merde, mais ce n'était pas sa question, donc il ne touche pas de point. Mais j'ai un point de plus quand même. Question numéro 3. Non, on me dit non, Régis. Non, ils ont quand même j'avais déjà limites. Répondu sans avoir l'explication, oui. Je n'avais jamais lu ça nulle part. Question numéro 3, Stéphane. Mais que foutait Dieu avant la création ? C'est une citation de Samuel Beckett, dramaturge, poète irlandais, prix Nobel de littérature en 1969. Il a écrit une pièce de théâtre où quand un acteur parle, un autre le fait aussi. Du coup, on ne comprend rien. Mais c'est du Beckett. Vrai ou faux ? C'est vrai. Vous avez perdu. Ah non ? Pourquoi la réponse ? Mais parce que ça me dit quelque chose. Vous pensez l'avoir vu ? Oui. Vous l'avez rêvé ? Des personnages qui parlent comme ça, quasiment en canon, ça devient incompréhensible. Ça m'évoque quelque chose aussi. Hein. Alors écoutez, nous enquêterons. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans mon questionnaire, c'est faux. En revanche, Beckett a écrit une pièce qui s'appelle Breathe, en français souffle. Elle doit durer 24 secondes, il doit y avoir un vagissement très court, puis une personne qui inhale lentement. Il doit avoir des détritus en guise de décor, mais aucun vertigo. C'est la pièce Breathe, qui peut se jouer actuellement. C'est l'une des rares pièces, elle dure 24 secondes. Peut-être que le gouvernement peut autoriser au moins ça. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, je vous embête souvent avec mes questions sur mes personnalités historiques et mes inventions. Aujourd'hui, une question simple. Partons pour le 19e siècle. Qu'est-ce qui a été inventé en premier ? L'allumette ou le briquet ?
Je pense que le briquet a été inventé avant l'allumette, car à Meulnay, capitale de la pierre à briquet, chemin de la Drassouille, il y avait la fabrique de pierre à briquet qu'on utilisait notamment pour enflammer les mèches et les mousquets. Et je pense que l'allumette soufrée, celle qui était d'ailleurs dangereuse parce qu'elle avait tendance à prendre feu toute seule, je pense qu'elle est postérieure au briquet. Qu'en pensez-vous, Stéphane ? Est-ce que vous suivez là-dessus ? Visiblement, Stéphane n'a pas d'idée sur la question. Donc, il ne s'intéresse pas à cette question, il vous la laisse. Le briquet a été inventé en premier ? Oui. Vous avez gagné ! Le briquet a été inventé en premier. Alors là, on a eu toutes les explications. Je ne sais pas si c'est la peine que j'approfondisse le sujet. Le briquet a été inventé par un chimiste allemand en 1823, alors que les allumettes, en 1827, la première boîte d'allumettes date de 1832. Sachez qu'une allumette, c'est de l'antimoine, du chlorate de potassium, de la gomme et de l'amidon. Je n'aurais jamais répondu comme vous à cette question. Pour moi, une allumette est préexistée au briquet. C'eût été la logique. Mais voilà. Elle a gagné. Victoire Bravo. Admirable de Clémentine. Ah, merci. Oh, oh voilà, elle est comme ça. Ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné. Je suis bien aise. Il était temps de se rattraper un peu. Oui, allez-y.